t'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de gloire. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas. Je ne crains pas le lendemain. Je te confie. Je te confie mes peurs, mes chagrins. Tu es où tu n'hydras mes pas. J'ai confiance en toi. C'est un jour nouveau. Oh, oh, oh. C'est un jour nouveau. Oh, oh, oh. Voici le jour. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. Je te confie mes peurs, mes chagrins. J'irai où tu guideras mes pas. Quand j'ai confiance. C'est un jour nouveau. Oh, oh, oh. Oh, c'est un jour nouveau. Oh, oh, oh. 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 Tu as créé. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Chante à sa gloire ce soir. Alléluia. Come on. Oh, oh, oh. 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 Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je vivrai. Chantons avec conviction ce soir. Alléluia. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je vivrai. Voici le jour. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. Je te confie mes peurs, mes chagrins. J'irai où tu guideras mes pas. Quand j'ai confiance en toi. C'est un jour nouveau. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh,
faire encore. Dieu va 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 te bénir. Dieu va te remplir. Je combattrai.
révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et criant, que combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ok? Tu chantes avec un esprit de victoire parce que le Seigneur est victorieux ce soir. Alléluia! Ok? On y va ensemble? À trois? Un, deux, trois! Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Jésus.
guérit. Ce nom qui nous libère, nous te louons, Seigneur. Oh Jésus. Glorifie son Saint-Nom.
de ta présence au milieu de nous, Seigneur, ce soir. Merci pour ta puissance qui agit maintenant, Seigneur, ton onction qui est ici. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tournez-vous à votre voisin, votre voisine ce soir et souhaitez-lui la bienvenue. Je suis content que tu es ici ce soir. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Je veux juste, vous savez, c'est important de juste... C'est quoi la louange prophétique? Puis vraiment, ce que c'est l'expression du cœur envers Dieu, mais encore plus, c'est juste... Bon, vous expliquer, des fois, on prend un chant qu'on connaît. Ça, c'est comme ça que je le fais. Je vais prendre un chant que tout le monde connaît. Après ça, c'est pas pratiqué d'avance, la louange prophétique. C'est spontané, sur le moment même. Et puis... qu'est-ce que ça sert? Ça sert à vous édifier, à vous bâtir. La louange prophétique, c'est le cœur de Dieu qui parle présentement. La louange prophétique, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui veut chanter pour vous au travers de mes cordes vocales. Puis c'est ça que c'est. La prophétie, c'est la même chose. C'est Dieu qui désire parler à son peuple et puis il va utiliser un vaisseau pour le faire. Des fois, Dieu peut te parler directement. Et puis, si on est ses enfants, on entend sa voix. Mais des fois, le Seigneur Jésus veut parler à travers ceux qui envoient. Et je crois vraiment, puis je me rappelle, j'étais à Lancaster avec Pasteur Jean. On avait été dans une conférence prophétique. Et puis, il y avait un homme qui était prophétique, là. Il y a un homme qui voit des anges. Il a vu ses anges coupe de foi. Il a retrouvé des plumes d'anges. Dans sa chambre, puis il n'y avait pas de plume, il n'y avait pas d'oreiller à plume ni de duvet. Alors, c'est vraiment un homme, puis il est venu, puis il m'a dit: tu as quelque chose pour la louange prophétique. Ça fait que moi, je l'ai reçu, puis à cette conférence-là, c'est une conférence prophétique. Et il y a 4 personnes qui sont venues, on a prié les uns sur les autres, comme on va faire aussi ce soir. Il y a 4 personnes qui sont venues confirmer la même chose. Et c'était pas quelque chose de nouveau pour moi, mais c'était édifiant. Ça m'encourageait. Alors ce soir, on va peut-être chanter des paroles, mais je prie vraiment que ça puisse aller toucher votre cœur. Ouvrez vos cœurs à ce que Dieu veut faire ce soir. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal, rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur, j'ai vu et goûté un amour si doux, mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, Saint-Esprit, sois le bienvenu, remplis ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Dans ta présence, car rien ne vaut plus, chante avec moi. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal, rien n'est comparable à cet espoir vivant.
ta présence, Seigneur. J'ai vu et goûté un amour si doux, mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, chante avec moi, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Sois le bienvenu, remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Que vainqueur, nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Cholandé de chiqué, Cholandé, yeah, yeah. Oh, nous avons soif toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Chante avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis, inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, yeah. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Ce soir, nous marchons sur les serpents et sur les scorpions. Victoire en ton nom, Seigneur. Shalom doro ro shikeram de ro shikeram bay de ro shi. Tu es digne de louange, Seigneur. Kurande shikirande shiya, kurande na, tu es bon, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es bon. Tu es digne de louange.
chaque partie de mon être te loue. Shalom Valley Amine Shiké. Lolo Lola Nara Mariam Bele Rayam Narara Shake it on Bambele Shake it on Bambele. Go. Le ciel, chaque même qu'il y en a ici qui vont être libérés comme d'un poids, il y en a qui se sentent pesants, comme c'est comme si on venait ici, puis le Saint-Esprit va juste enlever, fait juste lui donner ce fardeau, peu importe c'est quoi. Si c'est la maladie, déposez-le au pied de la croix. Si c'est la colère, déposez-le au pied de sa croix ce soir. Seigneur Jésus, je te donne tout, Seigneur Jésus, je te donne tout, Seigneur Jésus, donnez-lui maintenant, donnez-lui maintenant, donnez-lui.
Je veux qu'on puisse déclarer quelque chose ensemble. Je veux que vous puissiez dire avec moi, ainsi qu'ils ne sentent pas qu'ils sont victorieux dans leur vie, mais je veux que vous puissiez dire, j'ai la victoire dans tous les domaines de ma vie. Il y en a ici qui ne s'aiment pas. Il y a quelqu'un ici particulièrement qui dit, j'aurais aimé ça être quelqu'un d'autre ou j'aurais aimé ça être né dans un corps différent ou je ne m'accepte pas, je n'aime pas comme je suis. Puis Seigneur, ce soir, il veut vous libérer complètement de ça. C'est comme une oppression que vous avez vécu pendant des années avec ça. Si c'est vous ce soir, je sais que ça demande du courage, mais faites juste vous lever, puis au moment où vous allez lever, c'est comme s'il y a un poids qui va tomber. Pff, les chaînes vont briser. Nous qui aurions aimé peut-être mieux être nés dans d'autres circonstances, dans d'autres situations, mais c'est le Seigneur qui vous a placé ici ce soir. Il avait un but, il avait un plan pour votre vie. Si c'est vous ce soir, faites juste vous lever. Peu importe. Je sais que c'est un appel drôle, mais Saint-Esprit me dit de faire. Au moment où vous allez le faire, vous allez être libéré. Kora shakala mandara sikere shikere andara sakara andara shaya. Alleluia, Jesus. Kora andara Seigneur Jésus, je te donne tout, Seigneur Jésus, je te donne tout. Vous êtes créé à son image, une créature si merveilleuse. Tel que vous êtes maintenant. Alléluia. Alléluia. Je te donne tout, Seigneur Jésus. Il y a ici que c'est des choses qu'on peut abandonner, que le Seigneur leur a demandé de laisser de côté. Soit c'est des choses dans le monde ou soit c'est des choses qui sont prises avec prisonniers. C'est la même chose, c'est des chaînes qui vont briser dans le nom de Jésus. Je déclare toute chaîne, je déclare toute forteresse dans chaque vie. Brisée maintenant, super Internet, que ce soit la drogue, que ce soit les addictions quelconques, la pornographie, peu importe c'est quoi, Dieu veut vous libérer ce soir. Faites un pas de foi, levez-vous. Levez-vous, il veut vous rendre libre complètement. Sholom derekirandara sakayandara shia. Oh, des paroles de guérison. Souffle par ton esprit, Seigneur Jésus. Sholom derekia. Les membres de l'équipe pastorale qui ont quelque chose à cœur aussi, vous pouvez venir si vous sentez quelque chose de particulier. Je sens qu'il y a quelqu'un ici qui a des gros brûlements d'estomac. C'est assez continuel, puis le Seigneur veut vous guérir complètement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des. Comme des. Ça, c'est du reflux acidique. Est-ce qu'il n'y a pas personne ici, peut-être par Internet, mais chaque quelqu'un ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes digestifs, des. Soit que la nourriture a de la misère à rester en bas ou c'est. Vous mangez des petites bouchées à la fois ou vous avez des problèmes avec votre digestion. C'est vous ce soir. Personne. Des fois, ça peut être des guérisons rediffusées. On a vu souvent le pasteur Jean avoir des paroles prophétiques, faire les émissions de télévision et puis qui diffusent. Un mois plus tard, et puis les personnes qui reçoivent la parole pour eux, entre autres à Québec, une fois une dame qui avait eu un rêve ou je sais pas quoi, puis on parlait justement de ça, où on a parlé dans la vie de la personne, puis elle est venue à l'église de Québec.
Alors des fois, il parle des paroles. La parole de l'Éternel va, elle ne va jamais, elle a toujours un effet. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ce temps, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Père, je te remercie, Seigneur, ce soir, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse continuer à couler, Seigneur Jésus, dans chaque vie ici ce soir, par Internet. Souffle par ton Saint-Esprit, Père. Père, sans toi, on ne peut rien accomplir, Seigneur Jésus. Merci que ton Esprit Saint, Seigneur, est ici dans ce lieu, Seigneur, que tu pousses cette Église à être une Église prophétique davantage, Seigneur Jésus. Des gens prophétiques, Seigneur Jésus, des gens prophétiques, des gens qui bougent avec ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Je pense, je te remercie, Seigneur Jésus, qu'on va aspirer, Seigneur Jésus. Le mot « aspirer » veut littéralement dire « inspirer ». Alors, on reçoit, on doit aspirer au don de prophétie. On doit aspirer aux choses les meilleures avec Dieu. On ne doit pas rester assis puis juste dire, ben Dieu, fais ce que tu veux. Non, on doit aspirer. Est-ce que vous avez soif ce soir du don de prophétie? Est-ce que vous avez soif des manifestations du Saint-Esprit de Dieu dans vos vies? Dieu vous a donné un don. Les dons sont donnés au corps de Christ. Les dons sont donnés, sont diffusés pour vous, pour que vous puissiez les utiliser pour servir le corps, servir l'Église. Les manifestations de l'Esprit Saint sont pour l'Église de Jésus-Christ. Ce soir, vous êtes à la bonne place. Ce soir, Dieu veut se servir de vous. Ce soir, vous n'êtes pas venu ici juste entendre un autre message, mais vous êtes venu entendre Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas un certain mouvement ou un feu. Oui, il est feu, il est vent, il est toutes ces choses, mais il est une personne. Et on peut l'attrister. Vous savez, la parole de Dieu dit « N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. » Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans une place ou vient et veut opérer quelque chose dans votre vie, on ne doit pas l'éteindre. Vous savez, souvent, on devient tellement religieux. On devient tellement confortable. On s'assied à la même place chaque dimanche. On fait les mêmes mouvements. On lève la main à la même... Puis, vous savez, je suis coupable autant que vous, souvent, de faire les mêmes routines. Si je lève les deux mains, c'est parce que c'est vraiment bon, la louange. Si je lève une main, c'est parce que c'est 50%. Non, non, c'est une joke. Mais on est tellement habitué, on rentre dans des routines. Mais Dieu Saint-Esprit veut qu'on puisse venir dans ce lieu et qu'on puisse se laisser agir dans nos vies. Lorsque pasteur Bill Pranker est venu, je ne sais même pas, je n'étais pas ici, j'étais en vacances avec ma famille, j'ai eu du super de bon temps, mais je suis presque sûr qu'il a parlé sur la puissance du Saint-Esprit, comment être à avoir soif. Y a-tu parlé d'avoir soif de Dieu, non? De son mouvement, de sa... Avoir une attente, c'est quoi? C'était quoi un peu le message de pasteur Bill? Amen. L'école du ministère bâtie, grandir la salle, étendre les tentes, à s'attendre à plus. Est-ce que vous savez que Dieu le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il bougeait dans la tente? Il y avait un mouvement, il y avait de l'air, et le peuple d'Israël était là. Il faisait juste regarder la gloire de Dieu. Et dans ce lieu, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester. Non seulement dans le temple qui est l'Église, mais il veut se manifester dans vos vies aussi, individuellement. Le Saint-Esprit veut bouger ce soir. Il veut juste parler à chacun de nos cœurs. Vous savez, sans lui, on n'est rien. Sans sa présence, je ne pourrais pas exister. Je ne pourrais pas prêcher ce soir. Je serais peut-être ailleurs, dans une autre dimension, qui ne serait peut-être pas celle de l'Esprit. Mais Dieu Saint-Esprit, j'ai eu juste besoin d'une parole. D'une parole qui est venue me dire, ça fait longtemps que je t'attends. Et vous savez, chaque témoignage est prophétique. Votre témoignage est prophétique. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à vous d'une façon particulière. Et ce message est prophétique. Votre témoignage est la chose la plus prophétique que vous ne pouvez pas avoir. C'est Dieu lui-même qui a eu une rencontre avec vous. Et vous, vous avez fait une rencontre avec le Dieu céleste. Il s'est manifesté à vous, tangiblement.
Il vous a parlé. Et ce soir, il parle à vos cœurs. Et vous savez, on doit avoir soif. On doit désirer grandir dans les dons de l'Esprit. On doit désirer comme Église. Le pasteur Jean a partagé un passage et je veux parler environ pendant 20 minutes. Après ça, on va s'édifier chacun d'entre nous. On va prier, on va prendre ce que Dieu a déposé dans nos cœurs puis on va le partager avec quelqu'un. Mais pasteur Jean a partagé dans Actes 2, 17 que dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Est-ce que vous remarquez ici qu'il y a comme un diagramme, si on peut mettre le diagramme que j'avais? Ce passage ne nous parle pas nécessairement d'âge physique, mais de maturité spirituelle. Et je crois ici, le premier stade, c'est le Saint-Esprit qui était déversé sur toute chair. Et on voit que la prochaine étape, c'est les visions. Vous voyez, les jeunes gens, c'est les visions, c'est des étapes. Vous voyez, fils et filles, on est acceptés dans le royaume de Dieu et nous devenons fils et filles de Dieu. Mais il y a un processus de maturation que Dieu désire, l'Église, qu'elle puisse passer au travers. Si tu peux passer à la prochaine slide, s'il vous plaît, j'ai les points. Le Saint-Esprit a été déversé sur toute chair. Point numéro 2. La prochaine étape est d'avoir des visions. Les visions sont plus littérales que des rêves et plus faciles à interpréter que les rêves. Et à Kairos, cette année, nous allons regarder comment interpréter des rêves. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des rêves? Des rêves prophétiques, des rêves qui restent avec vous pendant des longtemps. Vous savez, il y a ces rêves où est-ce qu'on se réveille puis on oublie. Mais il y a un autre genre de rêve qu'on n'oublie pas. Et puis Dieu veut qu'on puisse noter ces choses parce que Dieu désire parler à son Église. Et les rêves sont pour interpréter les rêves, on doit comprendre leur symbolisme. Et on regarde tout ça, les rêves en noir et blanc, les rêves en couleur, les éléments dans les rêves, les toutes sortes de choses qu'on va voir au courant de cette année à Kairos. Si vous voulez venir à Kairos dans le cours prophétique, on regarde toutes ces choses-là. Mais je crois que dans toutes choses, on voit la dernière étape, vos vieillards, c'est les rêves. Et je crois que ça parle d'un processus de maturation dans l'Église. Et Dieu désire faire davantage, mais l'Église doit continuer à maturer dans ces choses-là. Et le quatrième point, on fait référence à mes serviteurs et mes servantes. Et ça, c'est le stade où nous sommes envoyés. Et je crois vraiment, ici, on voit une transition d'appartenance. Regardez, on voit vos fils et vos filles. Et ici, on parle de mes serviteurs et mes servantes. Et le plus qu'on grandit, le plus qu'on développe, le plus qu'on désire, le plus qu'on aspire les choses de Dieu, le plus qu'on va grandir. Ça fait que juste le premier point qu'on va regarder, et j'ai trois points au total. La première chose, c'est le don de prophétie. Et comme j'ai mentionné, Dieu déverse, il désire donner à chaque individu des choses particulières. Et dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, je ne vais pas tout le lire en entier, mais on voit que la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous, au verset 7. On voit que la parole de sagesse, c'est un élément, une des manifestations, un des dons de l'Esprit. La parole de connaissance, la foi, au verset 9. Le don de guérison, vous savez, à l'Église, on veut opérer dans ces dons davantage. Qui désire voir les malades guéris? Nous avons vu, j'ai vu dernièrement au camping une dame qui avait le cancer. On a simplement été pris avec elle. Je n'avais pas plus de foi à rien, mais j'ai juste cru à la parole de Dieu qui dit « Allez imposer vos mains malades et les malades vont recouvrir. » Et j'y vais par la foi. J'aspire qu'à la fois, je vais poser ma main, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Je me rappelle en Afrique aussi, j'ai vu des guérisons. Alors, j'aspire à ces choses-là. La possibilité de faire des miracles. La prophétie, le discernement des esprits, diverses langues et l'interprétation des langues. Et ici, ça dit, mais toutes ces choses, verset 11,
c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant. Et le mot distribuer ici, c'est diviser. Et il partage, il élit pour une fonction le peuple de Dieu. Ici, ce n'est pas seulement les cinq ministères. Vous savez, les cinq ministères, c'est important au sein de l'Église. Mais ici, ça parle de tous les saints. Chacun de nous, selon la manifestation de l'Esprit-Saint, on peut opérer dans ces dons-là. Moi, je me rappellerai toujours un exemple d'une manifestation. Donc, je ne savais pas, j'avais, vous savez, quand, lorsqu'on grandit dans le Seigneur, on peut recevoir des dons particuliers du Saint-Esprit, mais sans ce processus de maturation, on ne sait pas ce qu'on a. Et j'ai découvert que, oui, j'arrivais, j'ai un discernement pour les mauvais esprits, puis pour les... Lorsque quelqu'un prie qu'un mauvais esprit, je le vois. Je le vois sur la personne, je vois soit du noir, je vois une image, je vois dans ses yeux. C'est sûr que les yeux, c'est la lampe du corps, de l'être. Et si l'être n'est pas en santé, mais en tout cas, on le voit. Mais je me rappellerai toujours dans une conférence du pasteur, on était avec mon père, on était dans une conférence à Oron, pas à Yverdon-les-Bains, dans la grosse, grosse salle, je ne sais pas si tu te souviens. Et puis, il y avait deux personnes en particulier qui sont rentrées. Puis, quand je les ai vues, je savais qu'ils étaient possédés. Et à la fin du service, justement, les deux se roulaient par terre et ils cumaient de la bouche. Mais ça, c'est l'esprit de discernement. Mais je ne savais pas que c'était une manifestation du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on continue à avancer dans le Seigneur, qu'on découvre ces choses, ça l'édifie le corps. Pourquoi? Parce qu'on arrive à discerner la chose et on peut prier pour la délivrance et la guérison de cette personne. C'est que Dieu a mis ses dons dans l'Église. Et vous savez, c'est un don, c'est une grâce, une puissance surnaturelle non méritée. Est-ce qu'on fait quelque chose pour recevoir un don? Moi, Noël, je ne fais rien pour recevoir un cadeau, j'en reçois. Ils sont à moi. Mais je n'en reçois plus beaucoup à cette heure, c'est plus les enfants. À Noël, je t'assieds, j'espère avoir un beau cadeau, quelque chose, puis des bas, pyjamas, c'est comme bon. Il me semble que j'aurais pu m'acheter ça par moment. Mais on reçoit un don, je ne fais rien pour le recevoir, je suis assis là, puis ma femme dit, chérie, j'ai un cadeau pour toi, puis on va me donner un cadeau. C'est la même chose, Dieu le Saint-Esprit, on ne mérite pas rien, on n'a rien à mériter, mais c'est Dieu le Saint-Esprit qui vient, qui veut donner à son Église les dons. Alors, cette grâce n'est pas donnée selon notre maturité chrétienne non plus. On les comprend au fur et à mesure qu'on grandit, comment opérer ce don? Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà monté les meubles IKEA? Vous aimez-tu les petits descriptifs, là? C'est tellement facile à comprendre. Est-ce que ça vous arrive de monter un meuble à l'envers, puis il faut tout le démonter, puis après il faut le remonter encore à nouveau? Ça, c'est le fun, ça. Ça, tu arrives au dernier morceau, finalement, j'ai fini, il ne fit pas. Ça, c'est plate. Mais avec Dieu, des fois, le processus de maturation, c'est ça. On a reçu un don, on exerce le don, on opère le don. On ne sait pas des fois comment le dire, on ne sait pas comment l'exprimer. Puis des fois, quand on l'exprime, ça sort tout croche. Mais au moins, on l'a exprimé. Demandez au pasteur Jean, mon père, je ne parlais pas beaucoup avant. Imaginez-vous ça, je n'exprimais pas vraiment ce que je ressentais. Maintenant, j'exprime ce que je ressens. Ça, c'est par la grâce de Dieu. Mais j'ai appris aussi, c'est la même chose dans le prophétique. On ressent des choses, des fois, on peut avoir peur de l'exprimer. Faute d'être mal compris, faute de ne pas savoir. Puis, vous savez quoi? Des fois, Dieu nous montre des choses particulières pour qu'on prie pour les gens. Si Dieu vous montre un démon, dans la vie de quelqu'un, tu ne vas pas dire, « Hey, tu as un démon dans ta vie. » Puis ça, on apprend ça dans le cours prophétique, mais on peut prier pour cette personne. Tu peux dire, écoute, t'as-tu... C'est pas une question de montrer que tu vois plein d'affaires. Dieu Saint-Esprit, il nous montre parfois des choses pour qu'on puisse prier pour les personnes. Et puis, s'il vous montre quelque chose à propos de la vie de quelqu'un, mais c'est peut-être qu'il désire que vous priez. Mais ces dons sont donnés gratuitement. Ce don est reçu et administré par la grâce et par la foi. Et les dons sont donnés pour édifier le corps, à la seule exception du don des langues. C'est le seul don qui est utilisé pour s'édifier soi-même. 1 Corinthiens 14, 2 à 4 nous dit ceci. « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. »
Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un a l'interprétation des langues? Non? Bon, ça m'édifie seulement à moi. Mais si je prie la même chose, puis les autres, quelqu'un d'autre a l'interprétation de ça, maintenant, ça devient comme une parole prophétique. Parce que ça l'édifie, l'autre personne. Alors, ça nous dit ici, « Car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. » Et vous savez, je veux juste vous exprimer l'importance des cinq ministères au sein de l'Église. Juste une parenthèse à côté du don de prophétie. C'est tellement important, entre autres, le ministère du prophète. Est-ce que vous savez que Charlie Sweet, c'est le prophète qui est sur l'église ici, qui surveille l'église? Et si j'ai des questions, je vais lui demander des questions particulières ou tout ça. Puis j'ai cherché conseil auprès de lui quelques fois pour certaines choses, pour lui demander son opinion, puis qu'est-ce qu'il avait vu, puis tout ça. Parce que des fois, je vois des choses, puis je dis, si tu vois des affaires bizarres dans la vie de quelqu'un, tu as vu, j'ai déjà vu toutes sortes de choses. J'ai vu des dents de démons dans la bouche des gens. J'ai vu plein de choses, puis j'y ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis il m'a dit, préoccupe-toi pas des temps des manifestations, mais prie pour la personne, puis tu vas voir sa délivrance. Charlie Sweet me contait une histoire, il dit, ben moi, un exemple, je priais un jour pour un jeune homme qui avait été envoûté dans la sorcellerie et toutes ces choses-là, et sa mère, en tout cas, il avait fait des incantations de sang sur lui et tout ça, et puis il savait donner à ces choses-là. Il était tout jeune et on l'a initié. Elle, c'est une sorcière, sa mère, elle l'a initié à toutes sortes de... Et puis, lorsqu'ils ont prié sur le jeune homme, Charlie Sweet, il a commencé à voir du sang sortir de son corps. Mais c'était en esprit. C'était pas live, là. Il n'y avait pas rien, qui perdait pas son sang, rien. Mais imaginez, tu es comme, wow, tu pourrais t'attarder à ces manifestations-là, mais il a juste prié pour sa délivrance et le jeune homme a été délivré. Mais c'est ça, des fois, on ne sait pas, on voit des choses, on saisit des choses, mais c'est les cinq ministères qui sont là pour nous enseigner, pour nous encourager. Entre autres, les cinq ministères apportent l'unité, l'intimité et la maturité au corps. Et c'est tellement important, je ferme parenthèse, je reviens au don de prophétie. Mais vous savez, il y a tellement de gens qui ont des fois le don de prophétie, puis souvent dans les églises, ça a été négligé parce que les gens qui ont des dons de prophétie pensent qu'ils... L'Église ne va pas survivre sans eux. Les gens prophétiques qui voient dans l'esprit, parfois, ressentent comme si eux devraient diriger l'Église, puis des fois, les pasteurs ne savent pas ce qu'ils font. Ça, ça a été un danger dans les églises, puis des fois, les gens ont été un petit peu, on dirait, « turned off » du ministère prophétique. Parce que je peux vous dire quelque chose, le corps peut survivre sans l'œil, mais l'œil tout seul sur une table ne peut pas survivre sans le corps. Et le prophétique, c'est la vision, il peut voir dans l'esprit, mais tout seul, il meurt. C'est pour ça que c'est important, les cinq ministères, c'est important, l'Église de Jésus-Christ. C'est important, il y en a qui s'appellent auto-pasteurs, puis ils disent, moi, je fais une église chez nous, dans mon salon, viens me rejoindre. Puis, en réalité, ils ne sont pas connectés au corps, puis il y a un danger. Ils sont auto-proclamés. Et maintenant, c'est rendu des pasteurs. Il n'y a aucun apôtre, aucun prophète qui a initié la chose. Et puis, c'est un danger. Alors, c'est important, les cinq ministères, entre autres, le ministère prophétique est tellement important pour l'Église de Jésus-Christ, mais qui travaille avec le pasteur. Combien de vous avez déjà reçu des paroles prophétiques pour quelqu'un? On a toutes reçu, lorsque Kevin Deadman est venu, on a toutes reçu cette petit training de 15 minutes pour après aller. Vous vous en souvenez, on a sorti un papier et on a écrit des choses. Vous êtes des gens prophétiques. On entend la voix de Dieu. Amen. Alors, c'est important qu'on soit connecté au corps. Le ministère prophétique est primordial dans l'Église aujourd'hui. Même l'apôtre Paul adresse les églises suivantes. L'Église à Corinthe, dans 1 Corinthiens 14, 1, nous dit « Aspirez aussi » aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens, il dit ceci, « Ne méprisez pas
les prophéties dans 1 Thessaloniciens 5:20. Lorsqu'il s'adresse à l'Église de Rome, il dit ceci dans Romains 12:6, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Alors, l'Église, à l'époque que l'apôtre Paul, les églises qu'il avait fondées fonctionnaient dans le prophétique. Alors, c'est important aujourd'hui que le don de prophétie soit en opération dans l'Église locale. Et puis, l'ennemi veut taire la voix prophétique dans l'Église. L'ennemi veut taire la louange prophétique. L'ennemi veut empêcher que Nano puisse continuer à dessiner des dessins prophétiques qui amènent la libération aux gens. Parce que si on n'est pas une Église qui entend la voix de Dieu, quel genre d'Église sommes-nous? Réflexion. Même l'apôtre Paul enseignait la même chose en parlant des manifestations spirituelles envers les saints. Il dit dans 1 Pierre 4:10, « Comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » On est supposé se servir les uns les autres avec ce que Dieu nous a donné. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je termine avec ce dernier point, qui est l'esprit de prophétie. Dans Apocalypse 19, 10, ça nous dit ceci, « Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus lui-même est l'esprit de prophétie. Toute révélation que ceci ou inspiration prophétique ou prophétie viennent par l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucune révélation sans l'Esprit de Dieu, seulement de l'information. » L'Esprit de Dieu est nécessaire pour que le peuple de Dieu puisse grandir dans le prophétique. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de révélation. La révélation, c'est la connaissance des choses qui ne sont pas déjà. Puis dans Kairos, j'enseigne justement qu'il y a le don prophétique, c'est différent que les médiums. Les médiums reçoivent de l'information, d'un réseau d'informations et non de la révélation. Et c'est important parce que toute révélation, tout ce qui est inconnu, seul Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Le diable ne connaît pas toutes choses. Seul notre Dieu, Dieu le Saint-Esprit, est le seul qui connaît l'avenir. Et il met dans l'Ancien Testament, il met les autres astrologues, il met les devins au challenge. Puis on en parle de ça, il les met, il dit... « Dites-moi une chose que vous connaissez du futur. Dites-moi une chose. » Et aucun de ces devins n'ont pu dire, parce que seul Dieu connaît l'avenir. Et seul l'Esprit de Dieu dirige l'Église dans ce domaine prophétique. Et l'Esprit de Dieu est ici ce soir, et l'Esprit de Dieu va vous parler pour quelqu'un ici ce soir. Dans quelques instants, on va juste prendre un temps pour laisser Dieu en nous. Vous savez qu'on est des petits oints. On a reçu de Dieu la part. Et puis, il y a parfois, l'esprit de prophétie va se manifester de différentes façons. Lorsque Dieu, le Saint-Esprit ou l'esprit de prophétie agit, ce n'est pas le don de prophétie nécessairement, ni l'office du prophète qui agit, mais l'onction qui s'élève dans la vie du croyant pour rendre témoignage de Christ, pour bénir les autres. Parfois, l'onction vient tellement forte dans un service qu'on opère des prodiges et des signes. On fait des choses qu'on ne ferait pas sans l'onction de Dieu. Des fois, l'onction vient tellement forte. Et lorsque les chrétiens exercent leur foi pour être une voix au travers duquel Christ peut parler, Dieu parle. Il y a trois conditions, je veux juste dire les trois conditions lorsque l'esprit de prophétie peut agir. C'est lorsqu'une présence prophétique puissante qui envahit un service. Ce genre de présence crée un environnement favorable de parler au lieu de garder le silence. Moi, je me rappelle des fois lorsque le prophète Charlie Sweet, ou même lorsque la dernière fois lorsque le prophète, Steve Fidel est venu, il embarquait avec moi dans la voiture, je m'assis à côté de lui. C'est comme si le ciel s'ouvre. C'est comme pouf! Révélation automatique. C'est comme s'il y a un canal qui est branché à Dieu sur la vie du prophète qui fait en sorte qu'aussitôt tu es à côté de lui par association,
tu commences à avoir des révélations prophétiques. Pourquoi? Parce qu'il dégage quelque chose. Regardez Saül dans 1 Samuel 10:10. Qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il a rencontré la troupe de prophètes? Il a commencé à prophétiser. Puis les gens autour de lui ont dit, « Hey, c'est pas Saül, ça? Est-ce qu'il est prophète maintenant? » Il n'était pas prophète, mais il avait rencontré la troupe de prophètes puis il a commencé à parler selon Dieu aussi. Deuxième condition, c'est quand les gens viennent sous une troupe de prophètes, comme je dis, ou sous le manteau prophétique du prophète, ils vont commencer à prophétiser. Je me souviens de ce que Charlie Sweet aussi, quand il prie sur les gens, c'est comme si moi aussi je veux prophétiser. Pourquoi? Parce que c'est plus clair. Il y a comme une onction spéciale qui descend sur la vie du prophète. Et c'est pour ça que l'Église de Jésus-Christ a besoin de cette onction prophétique qui éclaire les gens à voir dans le surnaturel et à voir au-delà de la vie des problèmes qu'on vit présentement et dire que Dieu est bon. Dieu est merveilleux ce soir. Dieu est plus grand que vos problèmes. Dieu est plus grand que tous les soucis que vous pouvez avoir. Si on est juste capable de saisir dans l'esprit les choses que Dieu a mis en réserve pour nous, on devrait tous crier de joie ce soir. Mais le prophète va élargir les horizons. On va commencer à voir dans l'esprit des choses qu'on ne voyait pas autrement. Et la troisième façon, c'est là où les gens sont encouragés par un serviteur de Dieu à laisser Dieu s'élever et parler au travers d'eux. Par l'Esprit du Seigneur. Et ce soir, c'est ça que je vais vous demander de faire. En terminant, on va juste se lever ensemble ce soir. Tout le monde est excité de se lever et de pouvoir donner une parole d'encouragement à quelqu'un. Vous allez, à tout à l'heure, on ne pourra plus vous arrêter, je vous garantis. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais qu'il y en a ici qui sont plus prophétiques dans l'équipe. Puis peut-être qu'est-ce qu'on peut faire, au lieu d'avoir les gens venir devant, on va aller se retrouver dans la salle. Et vous allez prendre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Allez-y maintenant, trouvez quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, mais que vous avez moins de contact avec cette personne-là. Faites-le tout de suite. On va pratiquer ce qu'on fait à Kairos. Gênez-vous pas, ça va être bénissant. Avant de parler, je veux juste vous donner les directives rapidement. Ça fait, faites face à cette personne. Alors, regardez-moi. Je sais pas si on... OK, c'est bon. Ça fait que là, il y a une personne qui va prier pendant... On va prier 30 secondes, pas plus, c'est pas long. 30 secondes, on va demander à Dieu qu'il nous donne... Des fois, ça vient en image. Des fois, ça peut être imagé. Des fois, ça peut être juste un verset qui vous vient à cœur. Des fois, ça peut être une parole, un mot, un objet. Mais le but de cet exercice, ce n'est pas de dévoiler des péchés cachés. Écoutez-moi bien, c'est super important ici, là. C'est d'édifier, de construire et de réconforter les gens qui sont devant vous. Prions 30 secondes. Je vous donne 30 secondes. Ceux qui vont donner une parole... Et puis après ça, on va inverser les rôles. Alors, déterminer qui va donner une parole à l'autre en premier. Après, on inverse les rôles. On prie 30 secondes. Là, vous ne donnez pas de parole tout de suite. 30 secondes. Faites juste prier en langue. OK, allez-y. Donnez ce qui vous vient à cœur. Couleur, n'importe quoi. Même si ça ne fait pas de sens pour vous, ça peut faire du sens pour l'autre. Amen. OK. On arrête. On inverse les rôles maintenant. Alors, on inverse les rôles. Si vous l'avez déjà fait, patientez. On va juste trouver un autre partenaire. Allez-y, priez 20 secondes, puis donnez une parole. Amen. Est-ce qu'il y en a ici? C'est bon, là, vous pouvez arrêter de parler. Je sais qu'il y en a qui, là, que ça n'arrête plus, là. Je sais, je le sens, là. Les gens commencent à être pompés. On va faire un autre exercice, parce que je veux qu'on pratique le prophétique, puis vous montrer un petit peu ce qu'on fait aussi à Kairos. Je vais avoir besoin... d'une personne qui sent... Est-ce qu'il y en a ici qui sentent vraiment... Écoutez-moi, tout le monde. Est-ce qu'il y en a ici qui sentent vraiment l'appel prophétique sur leur vie? Est-ce qu'il y en a ici qui sentent qu'ils ont la facilité à donner des paroles prophétiques ou qui sentent qu'ils sont à l'aise avec ça? Viens, y a-t-il quelqu'un? OK, on sait, ministre Jacqueline. On sait aussi Nano. J'essaie de voir peut-être quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude... OK,
Jacqueline, viens ici, on va t'utiliser de bord. On va voir si c'est prophétique à soi. Là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que tu vas faire face à l'Assemblée. Je vais choisir une personne au hasard. Tu vas continuer à faire face à l'Assemblée et la personne va s'asseoir derrière toi. Tu vas voir par l'Esprit de Dieu, si tu sens ça à l'aise, puis dire soit c'est un homme ou une femme. On a fait ça à Kairos, on fait ça à Kairos. Puis c'est biblique, là. C'est correct. Vous savez, il y a des écoles de prophètes. Comment est-ce qu'il peut apprendre s'il n'y avait pas de pratique? Alors, il va fermer ses yeux, puis tu ne triches pas. Tiens, viens blindfold. Ah, ben il y a des lunettes. On va lui faire confiance qu'il va pas ouvrir ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir deviner soit même le nom. S'il y a le nom de la personne, il peut. Si c'est que c'est un gars ou une fille, si, même la race, si c'est un noir ou un blanc, il peut. Puis il va déclarer ce qu'il ressent dans son cœur pour cette personne. Peut-être qu'il n'y aura pas de nom, peut-être qu'il n'y aura pas le sexe de la personne, mais au moins s'il donne une parole d'encouragement pour cette personne, puis la personne qui va être assise ici va aussi nous dire si ça fait du sens pour elle, lui ou elle. Alors, je vais choisir maintenant une personne au hasard. Il ne regarde pas. Saint-Esprit. Tu vas prendre le micro. Puis, tu ne tournes pas de bord, mais tu vas juste. La personne va être assise en arrière de toi. Elle est assise en arrière de toi, puis tu vas dire ce que tu ressens pour cette personne. Puis, faut que tu. Parce qu'on veut juste laisser la place des fonds sans pour la personne qui coche une relation. Je sens que le Seigneur dit à cette personne d'opérer, d'aller plus loin que le naturel, d'aller plus loin que ce qu'elle comprend avec son intelligence et puis le pas ou l'initiation ou les premiers pas à faire, c'est de recevoir la baptême du Saint-Esprit, de parler en langue, de s'habituer à parler en langue. Et Dieu va l'utiliser, Dieu va lui donner des rêves, des visions. Il va lui donner des paroles, c'est quelque chose comme si ça va, c'est comme un petit volcan à un moment donné, là, ça te pousse à parler sur un jeune, ça te pousse à parler sur une autre personne, puis de lui dire, des fois c'est seulement de dire « Dieu t'aime » ou « Dieu te comprend » ou « Dieu connaît ta situation ». Cette personne-là, Dieu veut l'utiliser, bien, c'est certain qu'on peut dire « Dieu veut utiliser tout le monde », mais... Tu veux plus, puis Dieu aime ça, mais faut que tu fasses des pas de foi. Puis un des pas de foi, c'est de parler en langue, parce que tu vas plus loin que ce que tu comprends. Tu vas en t'appuyant sur la parole de Dieu qui dit que quand tu pries en langue, tu ne parles pas aux hommes, tu t'édifies toi-même, mais tu parles, tu dis des mystères à Dieu. Et en faisant ça, en pratiquant en faisant ça, Dieu va te donner des paroles prophétiques, des paroles qui vont comme le popcorn, là, tu sais, là, ça explose, là, tu sais, ça va sortir de toi. Et puis, c'est ça, t'as de l'amour pour les gens, t'as de la compassion pour les gens, tu veux servir le Seigneur, mais tu sais pas comment, mais ça, c'est là où tu dois commencer. Est-ce que tu ressens, sais-tu dans ton cœur si c'est un homme ou une femme? Ben, disons, ça aussi c'est un pas de foi, là. Pour moi, là, c'est une femme. OK. Puis, pas de nom? Pas Marie-Thérèse, là, mais en tout cas, non. OK, tourne-toi. C'est bon, mais est-ce que les paroles que mentionnées, est-ce que les paroles t'ont parlé? Moi, je reçois ça comme venant de Dieu, surtout sur le parler en langue, parce que c'est pas un discours intelligent, d'une intelligence que je connais un peu, surtout mais c'est toi. Une... Voilà, c'est ça. Surtout moi, j'ai toi. Trouvé excellent, surtout quand tu as parlé de communiquer aussi avec les gens.
ce qu'il fait. Alors, on applaudit. Merci, Jacqueline. Ça prend du courage. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui voudrait, qui sent que Dieu lui donne ses capacités prophétiques, qui voudrait exercer ce soir? Pasteur Denis, tu veux le faire? All right. Apparemment qu'à Québec, ça a vraiment coulé aussi l'onction prophétique sur sa vie. Alors, ferme les yeux, Pasteur Denis. Vas-y par la foi. Il y a un désir dans ton cœur. Tu es un homme. Il y a un désir en toi comme un ruisseau qui veut se déverser. C'est comme un petit ruisseau qui commence. Une rivière, un fleuve. Et Dieu t'amène d'étape en étape. Tu as commencé petit. Ce que tu fais n'est pas grand. Tu te méprises en toi. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ce que je fais est remarqué par d'autres personnes? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Mais je sens que Dieu te dit que c'est comme une goutte, une petite goutte qui commence à tomber. Et Dieu veut t'amener à déverser. Là où il y a de désert, ça va sortir comme un grand ruisseau, un fleuve qui va couler et qui va amener la vie. Je sens que Dieu te dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Ce que tes mains ont commencé, ne les méprisez pas, parce que ça vient de Dieu. Et Dieu veut élargir cela. Et tu seras étonné que ça va porter des fruits au-delà même de ta compréhension, de ton entendement. Il connaît ton nom. Il a compté même les cheveux de ta tête. Je te vois comme Nathanaël qui priait sous l'arbre, qui te disait, est-ce que tu me connais? Et Jésus te dit, je connais même ton nom. J'entends ta prière. Je t'exauce. Je te connais. Je connais ta vie personnelle. Tes échecs du passé ne déterminent pas ton futur. Tu es une goutte. Et c'est une pluie qui commence à tomber. Et tu verras des grandes choses. Il y a un mot qui revient, un réformateur, quelqu'un qui réforme des choses, qui donne une forme aux choses. Tu vas commencer à donner une forme nouvelle, des choses qui ne donnaient pas. Toi, tu vas donner la forme à ces choses-là. Dieu t'appelle comme un réformateur. C'est ça que je ressens. T'as-tu un nom? Ouais. Tourne-toi. Oh. C'est un homme. Je vais demander une question. Est-ce que vous avez été édifié par la parole qu'il a reçue? Vous voyez l'importance
du prophétique dans l'église locale. Il va y avoir une fois par mois que les gens vont pouvoir venir. Il va y avoir toute l'équipe prophétique en haut. Les gens vont pouvoir s'enregistrer et venir recevoir des prophéties. Amen, de la part de Dieu. Si on est après Pasteur Matt, peut-être va vous glisser plus un mot. Bien, ce, qu'est-ce qu'on on désire faire comme Église, c'est d'avoir une personne qui a plus d'expérience dans le domaine de partager les paroles prophétiques sur l'équipe prophétique avec un étudiant aussi. Puis on aimerait pouvoir, une fois par mois, développer ça où est-ce que les gens peuvent venir recevoir des paroles prophétiques. On a vu ça aussi à Lancaster, aux États-Unis, où est-ce que c'était les étudiants qui partageaient la parole avec un étudiant moins habitué, puis l'étudiant qui était plus habitué dans le domaine prophétique ou l'étudiant de deuxième année, lui donnait la parole première, puis après ça, l'autre personne, l'étudiant, donnait aussi ce qu'il avait à cœur. C'est simple des fois juste de... puis ça va être puissant aussi. Écoutez bien, voyez-vous pourquoi on veut que vous veniez à l'école Kairos? On vous apprend à opérer. Moi, je vais faire un cours où j'apprends comment écouter l'Esprit de Dieu pour marcher sur les paroles de connaissance, prier dans la foi, comment laisser l'Esprit de Dieu agir. Voyez-vous pourquoi je crois qu'on a une des meilleures écoles qu'il n'y a pas? Parce qu'on apprend les gens comment écouter Dieu, comment fonctionner avec l'Esprit de Dieu. Pasteur Denis, la dernière fois, les gens à Québec ne le reconnaissent plus du tout. Ils disent qu'il n'est plus le même du tout, du tout, du tout. Il a commencé à prophétiser, il y avait le feu tellement. Mais ce feu-là, c'est ça qu'on veut répandre sur vous. Et tout à l'heure, ça va être vous. Voyez-vous l'importance de l'école Kairos? Amen. Ceux qui ne sont pas enregistrés, moi, je vous encourage. Le retour de Christ est proche. Devenez des instruments entre ses mains. Amen. On a juste effleuré les sujets. J'ai juste effleuré. J'ai même pas, ça, c'est même pas un de mes cours. J'ai juste, ça, c'est quelque chose pour ce soir. Mais on a des cours approfondis dans tous les domaines. Vraiment. Puis je vous encourage à venir à Kairos. Inscrivez-vous au mois de septembre, on débute. Et ça va vraiment être une bénédiction pour vos vies. Vous allez développer davantage. Ce qu'on a pratiqué ce soir, on le pratique aussi dans les classes. Et même cette année qui s'en vient, on va le pratiquer davantage, encore plus loin, même dans l'interprétation des rêves aussi. Alors, on va prier que les étudiants aient des rêves prophétiques et on va les interpréter selon la parole de Dieu avec des symbolismes bibliques et tout ça. Ça va être vraiment particulier cette année, je crois. Je prie qu'une manifestation du Saint-Esprit, et je vais par la foi, je prie que le Saint-Esprit va se manifester davantage dans ses cours. Amen! Moi, je suis pompé, je suis en feu pour ça. Écoutez bien, juste vous dire, le prophète m'a téléphoné l'autre jour, puis il m'a dit, écoute, j'ai eu un rêve. Il m'a raconté son rêve et ça confirmait ce que Dieu avait mis dans mon cœur et à ma femme. Et même à Pasteur Denis dans son cœur. Voyez-vous comment ce n'est pas un esprit de confusion qui nous mène? Voyez-vous comment c'est juste... Voyez-vous comment c'est juste merveilleux de fonctionner sous l'esprit? Ça vous a-t-il encouragé ce soir? Peut-être m'a te laisser finir, c'est toi. Excuse-moi. Moi, c'est parce que, voyez-vous... Les choses de l'esprit m'excitent. C'est pour ça que j'embarque. Amen. En tout cas, c'est vraiment tout ce soir ce qu'on voulait. S'il y en a qui veulent recevoir aussi, j'ai l'équipe aussi prophétique. Si vous, Pasteur Denis, Jacqueline, ministre Jacqueline, Jonathan, Patricia, l'équipe prophétique, ceux qui font partie de l'équipe prophétique, si vous pouvez venir, on va prier. Puis s'il y en a qui veulent recevoir des paroles, on veut vous donner des paroles ce soir. On veut vous donner des paroles d'encouragement. Si vous devez retourner à la maison, allez-y. Mais soyez bénis, soyez réconfortés, édifiés et encouragés ce soir dans le nom de Jésus. Soyez bénis.